Salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce fabuleux let's play sur le jeu Final Fantasy X HD Remaster. Alors excusez-moi les gars, ça s'était coupé un peu brusquement la dernière fois, c'est pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que juste après la sauvegarde, mon disque dur a été plein, j'avais oublié de vider les dossiers du Hunter Z. Ce qui fait que du coup l'épisode n'a fait que 20 minutes alors que je comptais quand même faire tout un acte en genre 50 minutes, 40 minutes. Mais bon, cela dit, le format il est entre le court et le long, donc ça doit plaire aux gens. Je sais pas si je continue de faire du 20 minutes ou pas en attendant les gars. Là je vais tourner, je vais voir ce que ça donne en fonction de l'importance que la suite aura dans l'histoire. J'arrêterai ou je continuerai, tout dépend. Allez, on est parti. Putain, l'eau elle est bien faite. Allez. Voilà, c'est vraiment ce qui s'appelle avoir du cul, parce que ça en vrai vous prenez un rocher comme ça, mais laissez tomber. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et allez, on est parti pour le couloir. Waouh, la classe. Allez. Attends. Ah, lui, c'est fait. Raté. On y va. Et voilà. Et là, maintenant, je vous laisse admirer ce qui va se passer. Oh oh, pourquoi ne montre-nous-t-on ça? Alors que je me souvienne bien, nous sommes pour la courbe. Alors, ouais, voilà, que 29 normalement. Il va nous enlever 200. Ouais, voilà, c'est ça. Attaque. Là, il va nous enlever 100. Là, je rattaque une fois. Et hop, c'est fait. Alors, juste comme ça, ce monstre-là, à un moment, il va falloir le réaffronter. Et dans mes souvenirs, il est quand même assez chaud. C'est pour acquérir une chimère. Enfin, vous saurez plus tard ce que c'est. Vous verrez. Ah, ça c'est dommage. Oh putain, vite. Ah, sortie, allez go. Allez Billy, allez Billy. Putain. C'est bien réalisé pour de la PS2. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ils ont pensé aux détails. Dum, dum. Ah, pour le coup, là, j'aimais mieux la musique authentique. S'appelle
Ah ouais, d'accord, call, il te le traduit. Need fire. Il me faut du feu. Oui, alors sachez, c'est un jeu de 2002, donc vous plaignez pas des traductions hein, à l'époque. Examiner. D'accord, examiner. Ah, ah non, ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Non, moi j'ai une manette PS2, les mecs. Alors. Sauvegarder. Voilà, ça c'est bien. Allez, hop, je me souviens de ce qu'il faut. Il me faut du silex et des fleurs séchées. Voilà. Alors attendez. Non, lui demande. Il est trempé, le feu ne pourra jamais, il faudra quelque chose d'inflammable. Eh ben écoute, on va tenter de retrouver ça. Alors, est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Putain, ils ont vraiment géré à la musique. Pour moi, c'est celui avec les meilleures musiques et le meilleur scénario. En fait, tout simplement, pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy, mais après... Après, ils sont tous excellents, donc c'est assez difficile de faire une comparaison. Potion plus, d'accord. Bien que le 12 sur PS2, je l'ai pas aimé, par contre, je l'ai adoré sur Nintendo DS. Enfin, bref, et le 13, j'y ai jamais joué, en fait. Allez. Attention, scène tendue, on baisse la musique. Voilà. I need food. Ah. I need food, ils traduisent en geladol. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Alors veuillez m'excuser, j'ai compris que ma fenêtre était ouverte. J'espère que ça n'a pas eu d'influence sur le son. Chose que je doute très fort avec mon Blue Yeti quand même. Oh putain, il a été réveillé. À cause de quoi, je pourrais pas te le dire. Wait. Don't go out on me! Eh si. Nah! Just hold on! I'll get more wood! Allez! Allez putain, oh là il est vraiment bien designé. Hein. Allez, combat de chien. Non mais c'est ça en plus les gars, ça va être un vrai combat de chien. Chacun son tour, voilà. Ah non, là c'est à moi. Et là c'est à toi. Et là c'est à moi. Et là c'est à toi. Et là c'est à moi deux fois. Thank you.
Putain, vous voyez là sur PS2, on voyait pas les yeux. You're on my side? Cool! Ouais, de rien, de rien. Utilisation des grenades. Certains objets comme les grenades ne peuvent être utilisés que pendant les combats. Il faut pour cela sélectionner la compétence utilisée dans les menus techniques. Ouais, d'accord, merci. Utiliser grenade. On va enlever 200 à tous les coups. Ah ouais, non, c'est quasiment. Ouais, quasiment 300. Bah, attendez, voler. Hop, voilà, on récupère la grenade. Putain, lui, je sens qu'il va continuer à me focus. Ah, voilà, il n'a plus rien à voler. Allez, on va tout bombarder. Par contre, là, il attaque de pompe, c'est moi. Ah non, j'ai confondu avec... avec les coups. On veut qui ? Putain, 700 ! 700 ! Mais ça fait des tarés. Ah, on les surcon. Les surcompétences, hein. Ah ouais, je confirme. Mais c'est pas tes potes encore, je crois pas. Crois pas que c'est tes potes. Hey, let me go. Redek Drak. Divine, Iris, Atekiaka. Bok, Edeku. J'espère que chacun comprend l'albède ici. Kemed. Fed. Trivedek Risa. Kralnia, Draki, Jatev. Ifun Petit. Kuno. Alors allez savoir ce que ça fait, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils vont les suivre tout d'un coup, ils vont se retourner pour aller le prendre. Je pouvais direct le prendre, mais bon. Oh putain, magnifique. Magnifique, l'eau. Ah, et là, j'aime beaucoup. Putain. Kid, it's Daija. Hey, that hurts! Usujek, right? Whoa. Okay. Kainis! Viens par là. Viens là, proche. Right, whatever. Tui hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? Le victime. All right, I'll work. C'est bon, je vais bosser. Oh, le mec, par tous les trous, il se fait défoncer. Alors, Manuel Albed, regardez, c'est ça, là, pour apprendre. Vous avez appris qu'en Albed, le Y correspond au A. Succès déverrouillé, étude de langue, merci. Vous pouvez apprendre cette langue inconnue grâce au manuel Albed que vous trouverez Aditek Malbedikimin. Oh là 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 là. Mais c'est intelligent. C'est intelligent ce qu'ils ont fait quand même. Ah ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire, il me semble qu'il y en a un qui nous donne des... Oh, lui, ça a rien de lui parler, ok. Oh, almost forgot. En plaçant des sphères sur le soyer, voyons un peu comment procéder. Non, non, ça c'est bon, je m'en souviens.
Ça, en gros, si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de... Au lieu de monter en niveau comme dans tous les trucs banals des Final Fantasy, là, vous allez vous déplacer de case en case dans un sphérié. Et en fait, vous allez avoir des sphères pour augmenter la force, des sphères pour augmenter la défense, pour la rapidité, des précisions. Et en fait, grâce à ça, bah, votre personnage va devenir plus fort. Donc là, par exemple, on va prendre une compétence, la compétence encouragée. Ouais. Et je crois que nous aussi, on va prendre encouragée, mais je suis pas sûr. Très bien, très bien, très bien, très bien, j'ai tout compris, merci Goofy. Ok. Ah, t'en fais pas, je comprends, vas-y. Continue, continue. Après, il y a les sphères étoiles pour augmenter la chance, mais ça, c'est abusé, parce que ça sert vraiment à rien, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait un stade bonne étoile. Voilà, donc là on peut voir les compétences avec ça en appuyant sur triangle ou sur Y pour le PC. Putain ouais, mais les touches sur le PC en fait elles sont cheloues pour ce jeu en fait. Tout à l'heure c'était A pour à la place de croix, là c'est Y pour triangle. Putain. Bon bah du coup, on va direct commencer. Alors attendez, Ryuken. Non, ça c'est pour un autre personnage. Oh tiens, elle est là, Riku. Ah mais elle, on va rien lui apprendre. Voilà. Alors attendez, là je vais voir. Qu'est-ce que c'est ce truc? Mutaphore. Non, ça c'est plus pour nous en fait en haut. Ouais, booster. Ah putain, booster, ça c'est... C'est la compétence maître. Allez. Faut lui reparler, je crois. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. Putain, c'est and pas then le même we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Ah, il va faire le beau gosse comme d'hab. T'es une victime, cherche pas. Oh putain, ouais. Oh putain, ouais, ça fait classe. Alors, on va en avoir qui vont nous sauter à la gueule, vous allez voir. Que va-t-il nous sauter à la gueule, selon vous? C'est tout simple. Genre, on va pas tomber dessus. Ouais, voilà, c'était trop beau. Les petits piranhas de merde, allez voler. Voilà. Nanana. Sphérié. Ah ouais, voilà, on peut augmenter la constitution. Voilà, maintenant, il est un peu plus résistant quand on va lui taper dessus. Non, mais par contre, redescends, s'il te plaît, j'appuie sur rond. Merci. Merci bien, et voilà, c'est... On est tranquille. Petite musique d'ambiance. Ouais, mais non, moi je veux... Je veux ça, moi. 43, oh, ok, on est presque à Bezaïd. Examiner. Voilà comment il faut traiter l'ordi. Comment il faut traiter un ordi quand il déconne. Il faut lui taper dessus. Avantage, bon alors on est tranquille. Ah putain ouais, mais ils sont un peu nombreux, non? Overkill. Ouais, il va pas qu'il y avoir que lui en overkill. Et voilà.
Oh putain, ils sont sérieux là? Ah et merde. J'ai pas retrouvé sur YouTube cette musique. Ah, intelligent. Ils ont activé l'énergie, par contre on a un mini kraken qui. Un kraken miniature qui est là. Alors moi cette scène elle m'avait fait caguer quand j'étais petit. La lumière rouge comme ça et en fond tu me voyais avec le. Parce que franchement ça me fait. Ça me fait cailler. Allez, on est parti. On va lui balancer toutes nos grenades à la gueule. 738. C'est quoi ces livres? Putain, il est déjà là. D'habitude il faut au moins je sais pas combien de coups un petit peu là. Ah ouais, mais on est en pleine forme. C'est quoi ce délire? Allez, on est reparti. Non, on va pas utiliser encourager. On va perdre un truc pour rien. Ce stade-là, ça sert pas à grand-chose. Allez, encore un 700 pour me faire kiffer. Ah non, aucun 300. Et voilà, le retour de là. Encerclé, allez. Alors, je crois que je vais le torcher, mais c'est genre la première fois que je torche aussi rapidement ce boss. Alors attendez. Technique utilisée, quoi de mal. Ouais, là ça fait un peu plus mal déjà. Le coup de grâce. Normalement. Ah, même pas. Oh, là en plus avec un coup critique. On est tranquille. Et en plus je monte de niveau. Alors, par contre on a gagné aucun objet. Je sais pas comment ça se fait mais bon. J'ai un peu d'avance sur toi. Oh, il y a un de nos collègues là. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, en fait, il y a deux de nos collègues. Ah putain, j'ai enfin compris c'était quoi ce truc. Normalement, si je dis pas, je vais rien spoiler, hein, mais il me semble que c'est un vaisseau. Ouais, c'est le vaisseau. Ouais, c'est ça. Je vais rien dire. J'avais pas capté la depuis que j'y joue, j'avais pas capté en fait. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai refait pas mal de fois l'histoire. Putain, écoutez cette musique, les mecs. On a trouvé un vaisseau.
Il y a quoi par terre? Ouf, roof du Tonkodib. Ouais, Wichetta. Ah ouais, mais c'est vraiment ça. Regardez derrière. Hey, I helped out. Ah putain, et là il nous fait un plomb, on voit plus le truc. Il y avait un truc dans le vers le sol. Et il y est plus en plus, j'ai l'impression. Oh, hungry. Whoa! Right on. Hey! Ne fermez pas les yeux, je vous en prie. It's 'cause you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Whoa! You really do understand. Ouais, enfin, fais pas trop le lourd avec elle. T'as quand même foutu un coup de poing dans le ventre. T'es resté assommé pendant toute une soirée, quoi. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Alors attendez. Ah ouais, c'était bien ça. C'était un bug de texture en fait. Bon. Alors écoutez, ce qu'on va faire. On va sauvegarder. Je vais voir le temps de jeu. Alors attendez, on était là. Là, 20. Oh, ça peut aller. On va juste continuer jusqu'à la. Jusqu'au prochain point de sauvegarde et on va arrêter après. Allez, on lui reparle. Il y a beaucoup de dialogues au début, c'est un peu chiant, mais après ça va se débloquer. You play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh.
Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Chelou d'être emporté dans un tourbillon, alors qu'on semblait être dans un... Ah, voulez-vous sauvegarder? Oui. C'est pas de lui, hein, dont je parle. Putain, ils ont parlé que 4 minutes. Ça se voyait pas. Pour moi, c'était plus long, là. Oh, putain, magnifique. Oh, ça fait vraiment ambiance d'été, en plus. Riku! Blitzball! Hey! You okay? Hey! Beau gosse. Alors attendez, parce que je compte quand même tenter de faire les armes légendaires si j'ai le courage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, prendre ce putain de col de merde, et symbole lunaire, et on est parti. Là, ça va vraiment commencer à être bien, le jeu. Yo! Hiya! You wanna... try that move... one more time? Finally! Things were starting to look up. For the Xanarkand Abes. What team you say again? I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive.
Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Allez, les mecs, on va s'en arrêter. Bientôt. Bientôt, bientôt. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Xanarkand Apes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Allez, on va sauvegarder les mecs et on va s'en arrêter là. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.